السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا اخواني اخواتي. اليوم هاد لا فيديو غادي تكون مختلفه. تلاقينا مع واحد الانسان نقدر تكونوا عرفتوه، اللي هو السيد جيرار ديلتيل، صحفي سابق وحاليا زعيم المعارضه الرسميه في لاشومبر دي كومون ونائب برلماني تابع الحزب المحافظين، ممثل دائرة لوي سان لوران بالكيبيك اللي كنرحبوا به. غادي يقدم لكم بعض المعلومات، كيف ما انه غادي يبغى يوجه واحد الكلمه للمهاجرين الجدد. بونجور، اون اي تري زورو دو فو رونكونتري اوجوردي، سيتي بار سوربريز. دونك جي اون شين يوتيوب كي سبيسياليزي دون ليميغراسيون. Et je voulais avoir votre avis sur l'immigration, son apport au Canada, qu'est-ce que vous en pensez, et aussi adresser un message aux nouveaux arrivants. Salam alaikum. À moi aussi de dire quelques mots en votre langue. Alors bienvenue et bonjour à tout le monde, content de participer à votre chaîne d'information sur l'immigration. Évidemment, l'immigration c'est très important. Je suis moi-même fils d'un immigrant. Mes parents sont arrivés en 1958 ici au Canada. Ils ont choisi le Canada et le Canada les a choisis. Donc je suis bien à même de pouvoir parler des bienfaits de l'immigration. Je suis moi-même un fils d'immigrant né en 1964 ici au Canada. Alors oui, l'immigration c'est une plus-value, une donnée importante et d'enrichissement pour notre pays, de par la qualité des gens qui viennent s'établir ici, de par leur contribution à l'agrandissement de ce beau et grand pays qu'est le Canada, à la contribution qu'ils peuvent amener comme individus, mais également avec tout leur patrimoine qu'ils amènent avec nous quand ils viennent vivre, s'établir ici au Canada. Évidemment, le Canada, c'est un pays de quatre saisons. On peut comprendre que des gens qui n'ont pas vu la neige souvent dans leur vie d'enfant, quand ils arrivent ici, ça peut donner un petit choc. Mon père a toujours l'habitude de dire que ça fait 62 ans, 63 ans. C'est pas 62 ans qu'il est ici, il dit toujours que ça fait 62 hivers que je suis ici au Canada. Alors évidemment, il faut une question d'habitude, mais pour nous, c'est important d'avoir une immigration qui soit profitable pour les personnes et également pour notre pays. Et nous invitons tout le monde à venir ici au Canada. Évidemment, notre pays est très vaste. Notre pays a plusieurs provinces, plusieurs réalités, une communauté de communautés, disait-on aussi en d'autres temps. Alors, l'immigration, les immigrants sont les bienvenus. Le Canada est toujours prêt à accueillir des gens qui veulent contribuer à l'accroissement et à la richesse de ce pays. On vous remercie. Et tout à l'heure, vous avez parlé avec moi, vous m'avez dit que vous connaissez le Maroc, c'est ça? Oui, un petit peu. Mais pas beaucoup, en fait. Pour être honnête, pas beaucoup. Parce que mes parents sont des Français d'Algérie. Okay. Des Français nés à Alger. Alors, évidemment, de par mon patrimoine familial, je suis un peu attentif à tout ce qui se passe au Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mon père servit d'ailleurs dans la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre, et il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque les fusillés marocains, mais dans le service sous les drapeaux français, bien entendu, et les forces françaises libres, le débarquement d'Italie, le débarquement de la Provence aussi. Alors évidemment, j'ai un petit attachement particulier pour le Maghreb de par mes origines familiales de France et d'Algérie. On vous remercie, ça fait plaisir d'entendre des gens comme ça, qui sont comme le Canada, qui est diversifié, qui sont très accueillants et aussi qui invitent les gens. Parce que c'est rare de trouver, par exemple, quand on parle aux gens, ils disent non, l'immigration, c'est pas bien pour le pays, c'est pas bien pour le Canada. Et ils volent notre job, comme ils disent. Mais avec vous, on voit que c'est le contraire. Tout à fait. Et j'en suis la preuve vivante, mes parents également. Alors, bienvenue au Canada. On vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. كنشكر السيد جيرار ديلتيل على هذا اللقاء الجميل اللي وجه من خلاله بكلمات محفزة رسالة الترحيب بالراغبين في الهجرة إلى كندا، كيفما أنه تحدث لنا بكل افتخار على المسار للعائلة ديالو في الهجرة لكندا وحول الأصول ديالو، كذلك على الارتباط ديالو بالبلدان المغاربية. وهذا اللقاء كيفما قلت لكم كان صدفة وما كانش الوقت كافي باش نطرحوا عليه كل الأسئلة اللي كنا باغين حول الهجرة، سواء اللي كتهم مقاطعة الكيبيك أو الشق اللي كيهم النظام الفيدرالي، خصوصا أن الميدان الهجرة هو ميدان حيوي لكندا، لأنها كتعني الآن من واحد الخصاص متزايد في اليد العاملة.
صراحة شفنا بعض الليونة في بعض البرامج وفي بعض الشروط، لكن هذا الشيء ماشي كافي. وفي هذا الإطار مازال غادي نستضيفوا السيد جيرار ديلتال، وإن شاء الله غادي تكون عندنا كذلك لقاءات مستقبلا مع سياسيين آخرين في كل الأحزاب، باش أنكم تاخذوا فكرة على التوجهات ديالهم، وفي نفس الوقت يكون واحد النقاش توصلوا فيه الآراء ديالكم في كل ما يتعلق بالهجرة لكندا. وفي الأخير إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش أنكم تديروا لايك وتشتركوا في القناة. كنشكركم إخواني أخواتي على المتابعة وعلى التفاعل ديالكم، وفي انتظار اقتراحاتكم وتساؤلاتكم حول المواضيع اللي بغيتونا أننا ندرجوها لكم مستقبلا، كنقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم على قناتكم الإكزامبل كندا تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.